Bonjour et bienvenue sur pourlesmusiciens.com. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter une Les Paul Studio millésime 2015 dans le coloris One Red, une belle couleur. Donc la prise de son va être effectuée sur une tête matchless Clubman connectée à un baffle Mesa Boogie de 12 recto équipé de haut-parleurs Celestion Vintage 30. On y va. La Les Paul Studio 2015 donc, est une génération vraiment soignée. Bon, la lutherie est traditionnelle avec un corps en acajou massif, un manche collé en acajou massif également, la table érable évidemment sur une Les Paul, la touche en palissant. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la caisse, c'est qu'il y a des chambres acoustiques qui permettent non seulement d'alléger la guitare mais de lui donner une couleur et une résonance supérieure, un petit peu acoustique justement. Au niveau de l'électronique et des micros en particulier, donc on a du Classic 57, c'est vraiment le micro de référence chez Gibson. En position chevalet, en position chevalet, c'est un Classic 57 Plus qui a un peu plus de grain et un petit peu plus de mordant. Donc pour les solos, c'est parfait. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux micros sont splittables en simple double bobinage, donc ça permet d'obtenir vraiment un panel de sonorités beaucoup plus complet, notamment sur les sons clairs et les sons crunch. Le profil du manche, c'est un 1960 Slim Taper Neck, c'est le profil de manche le plus populaire chez Gibson car le plus accessible, une guitare qui est très facile à prendre en main. Et pour terminer, donc il y a les mécaniques robots qui équipent la plupart des modèles 2015, donc qui facilitent l'accordage en fait et qui permettent d'avoir accès à des accordages alternatifs. Donc il y a pas mal d'autres petits détails que vous pourrez consulter sur la fiche de pourlesmusiciens.com. Intéressant pour commencer le Gibson Vintage Restoration Kit qui contient trois produits d'entretien, donc un pour les parties métalliques, un pour la touche et un pour le corps, la caisse quoi. C'est ce que nous utilisons en magasin, c'est vraiment nickel. Ensuite nous avons le Monster Cable Monster Rock, c'est un câble technologique en fait super robuste mais surtout qui optimise le signal de votre guitare. C'est vraiment un super câble, on vous recommande ça. Et pour terminer, donc le stand Hercule GS415B, donc qui est non seulement hyper robuste, pliable, et donc il y a des mousses anti-abrasives qui ne risquent pas d'abîmer le vernis de votre guitare, c'est important. Et enfin, vous voyez, quand on pose la guitare sur le stand, il y a deux crochets qui se referment, qui l'empêchent de tomber. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site pourlesmusiciens.com ou à appeler nos conseillers sur la hotline.